La situation au Soudan est de plus en plus inquiétante. Les affrontements entre armées soudanaises et forces de soutien rapide ont piégé des milliers de civils dans leur quartier, coupant l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé. Pour faire face à cette crise, des groupes communautaires, des sites web et des applications ont vu le jour pour mobiliser une aide médicale et trouver des fournitures de base. Depuis son domicile dans le centre de l'Arabie Saoudite, le développeur web Frida Adel, 30 ans, a transformé son site web personnel en une plateforme où les gens peuvent demander ou offrir de l'aide en fonction de leur emplacement. Lorsque la crise et la guerre ont éclaté au Soudan, les gens ont été choqués. Ils ne savaient donc pas quoi faire. Ils ont commencé à partager ce dont ils avaient besoin sur les réseaux sociaux. Et en même temps, d'autres personnes partageaient également des fournitures en ligne. J'ai donc eu cette idée de regrouper tous ces cas dans une seule application, que ce soit les personnes dans le besoin ou celles qui fournissent des aides. J'avais un site web personnel et j'en ai fait une plateforme dédiée à la publication d'appels, de besoins et d'annonces de fournitures. Dans la capitale Khartoum, un médecin soudanais a construit une communauté WhatsApp de 1200 personnes, divisées en groupes pour les différents districts de la capitale, afin que les gens puissent partager des informations sur les fournitures de base. Chaque fois que je regarde une certaine zone, je constate que les gens communiquent réellement et nous avons réussi à obtenir des médicaments, de la nourriture pour certaines personnes. Le but est que cela se passe bien. Nous n'avons pas d'argent ni d'aide financière, mais nous essayons simplement de faciliter la communication entre les gens. Avec la fermeture de la plupart des hôpitaux de Khartoum, les besoins médicaux sont intenses. Dr Base, une application de santé, est passé de l'aide aux Soudanais pour faire face aux problèmes existants liés à la pauvreté à l'aide aux personnes touchées par les affrontements. Des dizaines de médecins du monde entier se sont inscrits depuis le 15 avril pour donner du temps aux Soudanais qui ont un besoin urgent d'aide médicale en utilisant l'application.